Néouda, la jeune maman n'a pas hésité à se confier sur sa vie depuis sa séparation avec le père de ses enfants, Ricardo. On vous dit tout. Néouda et Ricardo, c'est terminé. L'interview de Néouda avec Samzira au sujet de la tentative de S**icide d'Aurélie Preston aura fait couler beaucoup d'encre. Accusé d'être en partie derrière l'acharnement qu'Aurélie aurait subi dans Les Anges, Néouda a tenu à s'exprimer chez le journaliste afin de mettre les choses au clair. Bien qu'elle ait eu des différends avec la jeune femme, elle affirme cependant n'être coupable d'aucun acharnement ou harcèlement à son encontre. Très vite, les réactions des internautes ne se sont pas fait attendre, et les internautes ont apporté leur soutien à la chanteuse. Je suis vraiment dépassée par l'interview. Comment on peut ne pas prendre ses responsabilités comme ça? Je suis profondément choquée par cette interview, ou encore, cette interview est douloureuse à regarder, elle est d'une méchanceté et d'une violence incroyable, c'est elle qui devrait aller se faire soigner sa crainte, elle n'a toujours rien compris à la vie, celle l'a enfermée là pour le bien de tous, a-t-on pu lire sur les réseaux sociaux. Néouda se confie sur sa vie de célibataire. Cette fois, si Néouda a pris la parole, c'est pour se confier sur sa vie de célibataire. Longtemps en couple avec Ricardo, tous les deux ont eu deux enfants. Mais celle qui a taclé Kevin Gage a pris la décision de se séparer définitivement de lui récemment. Désormais, il semblerait qu'elle savoure sa nouvelle vie et elle ne s'en cache pas. Néouda, dont le rôle de maman a été critiqué, a écrit sur son compte Snapchat, « Depuis que je suis célibataire, je ne sais pas comment vous expliquer mais je ne cesse de me dire One Life. » Quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. J'aime mes enfants plus que tout au monde mais j'ai décidé depuis de m'accorder des petits moments. Puis, la jeune femme a ajouté, par exemple aujourd'hui je pars deux jours sans eux pour m'amuser un peu. Et je le ferai plus souvent qu'avant. J'ai l'impression de revivre, je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement.